Bettencourt, Jean Vautrin, nous apportait sa solidarité. Il y a 25 ans, il nous écrivait ces mots et manifestait à vos côtés. Je souhaite, par ce texte, participer à votre mouvement, vous dire ma proximité de cœur, signifier que l'écrivain que je suis partage votre colère et se fait solidaire de votre lutte contre l'exclusion d'une société assourdie par le parasage du fric. Thank you.
à vous. Oui. Attends, on peut le partager sur Facebook. On fait une autre. Film. Attends, film. Moi, je suis en train de revivre les mêmes images et les mêmes scènes. Chose que je veux signaler à tous les citoyens, la source du problème. Et ce problème-là, ça vient de la dette publique. Autant qu'il y a la dette publique, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Tous les Français sont endettés de 35 000 euros. Vrai ou faux, ils nous ont endettés de 35 000 euros. Pourquoi on est endetté de 35 000 euros? Pourquoi? Par qui on a pris l'argent? Où c'est qu'on a mis cet argent? Qui c'est qui a bouffé cet argent? À qui on doit cet argent? On va intervenir en ce qui concerne les savoirs universitaires. Et après des discussions, il semble que le savoir universitaire aussi soit confisqué pour des raisons occultes. On ne sait pas. Moi, je pense, mais j'en suis pas certaine, c'est parce qu'on vit dans une idéologie de marché libérale et qui vire au mercantilisme. Alors, par exemple, en philosophie, à l'université, les étudiants qui rentrent à l'université, mais ils apprennent que Platon est le père fondateur de la philosophie, et ils occultent tout ce qui a été avant, et notamment Socrate, le grand Socrate. La semaine dernière, on a travaillé par commission pour travailler des sujets bien précis et pouvoir avancer. Donc il y a la commission démocratie, RIC, démission écologie. Il faut faire le choix où on continue un peu en plénière ou on commence les commissions. Voilà, je vous passe Margot qui va vous expliquer toutes les commissions. Nous, les Gilets jaunes, les Français, ça fait déjà 60 ans que nous sommes habitués à travers la 5e République, donc depuis 1958, à confier notre destin aux élus. Aujourd'hui, cette Assemblée citoyenne de Gironde va vous permettre de franchir une étape supérieure, c'est le peuple souverain. Et quand je dis peuple souverain, c'est le peuple qui va donc travailler pour lui, avec lui. Donc, premier mot, bienveillance. C'est-à-dire que tous les échanges qui auront eu lieu dans le cadre des commissions seront répercutés sur le site Gilets jaunes, qui est Assemblée citoyenne de Bordeaux. Donc, 48 heures d'existence. C'est un début de cohésion entre Gilets jaunes. Donc c'est votre site internet et libre à vous de le faire vivre.